travail! Eh bien salut à tous, c'est Bart, et après un petit moment, pour ne dire que peu, puisque je crois que ça fait 10 mois que j'ai posté mon dernier test, c'était sur Metroid Prime 2, après un long moment, écoutez, je décide de réenregistrer une vidéo, ça fait un bout de temps, et moi j'avais envie de refaire quelque chose, il n'y avait plus d'activité depuis un bout de temps, même si j'ai une chaîne secondaire et même une chaîne cinéma que je vous invite à aller voir, je mettrai le lien dans la description. Mais donc récemment, j'ai fini le tout premier Uncharted. Alors je présente quand même pour ceux qui connaissent pas Uncharted, qu'est-ce que c'est? C'est une série de jeux vidéo de type action-aventure créée par le studio américain Naughty Dog. Alors Naughty Dog, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des licences qui sont assez connues du grand public, notamment Crash Bandicoot, hein, on a eu le retour de Crash Bandicoot avec la trilogie Insane Trilogy avec les trois premiers Crash Bandicoot, qui est ressorti sur PS4 il n'y a pas très longtemps. Naughty Dog a fait également Jack and Daxter, qui jouit d'une réputation assez bonne de la part des fans. Il y a beaucoup de fans qui disent que, qui me parlent de cette série, qui me disent que c'est excellent, faudrait que je m'y mette, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et enfin, ils ont fait The Last of Us, voilà, qui s'est vendu à 40 millions en tout. Écoutez, on va sélectionner un chapitre. Alors, j'ai absolument rien prévu, hein. Donc là, je vais vous montrer combien il y a de chapitres. Je vais jusqu'au bout. Il y a 22 chapitres en tout, sachant qu'il y a des chapitres qui peuvent être moyennement longs, même si c'est jamais très long, honnêtement, et d'autres chapitres qui sont très courts, franchement, ça dépend à quelle vitesse tu vas, bien sûr, mais en 20 minutes, je crois que tu peux torcher un chapitre. Par exemple, le boss final, si tu le maîtrises bien, je crois que tu peux le torcher en, je pense, en 5 minutes. Je pense à Speedrunner, il torche ça en peut-être moins de 5 minutes. Enfin, moi, j'ai mis plus longtemps parce que je suis mort énormément de fois tellement que c'est aberrant, ce boss final. Je vous en parlerai peut-être après. Donc écoutez, j'ai pas du tout prévu ce que je vais faire, c'est du freestyle, le jeu je l'ai fini il y a quelques jours. Donc Embuscade, c'est le début du jeu, mais comme c'est une grosse cinématique, je vais pas le mettre. C'est en fait Drake et la meuf qui est reporter, je crois, qui a une caméra à la main, etc., qui fait des films, qui va l'accompagner durant l'aventure. Et bien ils sont sur un bateau, et ils sont attaqués par des pirates, voilà. Donc il y a une scène d'action, etc., donc après on échoue. Je sais pas si on échoue ou pas, mais je crois qu'on va se retrouver, voilà, un peu par défaut sur une île, donc à la recherche d'Eldorado, parce que ce jeu raconte l'histoire de l'Eldorado, donc la recherche du trésor magnifique, tant convoité, qui ferait de personnes riches celui qui trouve ce trésor. C'est pour ça qu'il y en a plein à sa poursuite, c'est vraiment au niveau du scénario, c'est très basique. Bref, donc à la recherche d'Eldorado, écoutez, qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre peut-être le deuxième, parce que ça vous montre la jungle luxuriante. C'est peut-être moi le... Non, je veux pas sauvegarder, qu'est-ce que tu me fais? Oui, j'annule la sauvegarde. Donc c'est peut-être... En fait, toute la jungle luxuriante, ça représente à peu près un tiers, je dirais, du jeu. Voilà. Un gros tiers du jeu, c'est vraiment des environnements de verdure, voilà, avec la jungle, etc. Donc, la petite cinématique, je me tais. Oh, attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent, mais ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon mon vieux, on est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle... La fois où j'ai vendu une fausse statuette du 16e siècle à Pablo Escobar. Ah, c'était plutôt culotté, mais le temps qu'il réalise était... Bref, donc là... Attendez, parce qu'il y a un truc qui s'est... Je bois tes paroles. Qui s'est déclenché. En fait, c'est un... Je vous raconte ma life, mais c'est un appareil que j'ai à côté de moi qui se déclenche quand on siffle, quand on fait des espèces de bruits. Attendez, je vais le dégager. Deux secondes. C'est n'importe quoi, cette vie. Alors, attendez. Voilà, je l'ai foutu dans... Donc, je voulais vous montrer. Lui, c'est Victor Sullivan, il s'appelle. Regardez, je vais essayer de vous montrer sa tronche. Attendez, je peux viser, oui, c'est ça, j'ai un peu de balles. Je vais vous montrer sa tronche. Bon, les animations faciales sont pas non plus extraordinaires. Ce jeu est sorti en 2007, c'est pas non plus fou, sachant qu'il y a eu un remake
de la Uncharted trilogie, donc les trois premiers qui sont ressortis sur PS4, et c'est un petit peu mieux fait, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas trop compréhensibles. Par exemple là, regardez, j'essaie de monter par là, j'arrive pas. Si j'appuie sur X, c'est la touche de saut. Alors que si je me mets ici, que j'appuie sur X, hop là il monte. Oui, et c'est plein de trucs comme ça dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des endroits tu comprends pas pourquoi tu peux pas monter et d'autres tu peux monter. En fait, c'est vraiment prévu à cet effet, c'est scripté. Donc là, on a tout de suite notre arme à partir du deuxième chapitre, ce qui est bien. Je vous montre un peu le gunfight, sachant que l'eau, regardez, à certains moments, à certains endroits, excusez-moi, elle est plutôt bien faite. Et d'autres comme ici, assez bof. Regardez là, le reflet est moyen. Regardez quand je bouge là, c'est assez bizarre. Mais pourtant, à certains moments du jeu, c'est franchement pas mal fait. Donc, je regarde si ça capture bien, oui, l'audio, etc. Il y a des trésors que tu peux. Voilà, appuie pour sauter. Tu peux. Oula, c'est quoi ça? J'ai vu un truc là-bas. Attendez, je sais plus ce que c'est. Donc là, je saute. Le jeu a des petits moments où il rame. Hein. Le jeu. Il y a des tout petits ralentissements, ça frise un peu. Bon, il n'y a rien d'extra. Rien de. Ça te gâche pas l'expérience de jeu, ça va pas te frustrer. Enfin, je trouve c'est un peu dommage en fait, sachant que la fluidité a été améliorée dans la Uncharted trilogie dont je vous ai parlé. Justement, c'est bien plus fluide que ça. Là, il y a des, si on regarde bien, il y a des petites saccades, etc. Bon, c'est à de temps en temps, à certaines reprises. Par exemple, quand il y a beaucoup d'action, tu peux avoir des petits ralentissements. Voilà, on est sur PS3 et le remake, il est. Attendez, peut-être que là, je vais trouver un trésor si je me mets là, parce qu'il y a beaucoup de, il y a 60 trésors à trouver dans le jeu. Mais des trésors, c'est vraiment des petits trucs secrets, hein. C'est des petits machins. Par exemple, si je vais par là, attendez, c'est possible que derrière cette cascade, non, il n'y en a pas. Mais en fait, faut pas mal chercher aux alentours parce que ce jeu est assez linéaire. En fait, c'est ça, un des trucs qui m'a dérangé, c'est que c'est quand même. Franchement, je dirais à la limite que t'es pris par la main, c'est-à-dire que tu dois suivre très souvent des espèces de lignes droites. Et par contre, tu peux aller à côté des petits trucs. Par exemple, là, si je décide d'aller à droite, c'est pas là qu'on va faire la suite du jeu, mais. Il peut se cacher, certes. Il peut y avoir des petits trésors de cachés. Par exemple, ah, regardez, je vois un truc briller. Vous voyez là le truc qui brille par terre? Voilà, c'est exactement ça. Et bien, le truc qui brille, regardez ici, juste ici, on va le voir. Et bien, c'est un trésor. Si je m'approche, voilà, il y a un bouton qui apparaît, triangle, j'appuie. Donc là, boucle d'oreille, un quart en argent. Ah, bah, je l'avais pas celle-là. Tiens, j'ai bien fait de refaire le deuxième chapitre parce que j'étais passé à côté. Donc vous voyez que j'ai 51 trésors sur 60 en tout. Donc j'ai plutôt pas mal trouvé de. J'ai trouvé pas mal de trésors. Parce que mine de rien, j'ai cherché un peu partout. Mais j'ai l'impression que j'étais un peu moins attentif au début parce que je savais pas qu'il y avait des trésors à trouver comme ça. Donc j'ai été un peu plus en ligne droite, on va dire. Enfin, c'est-à-dire que je me suis pas attardé vraiment sur chaque recoin du jeu. Et c'est à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait des trésors à trouver. Que je me suis dit, ah ouais, en fait, je vais faire attention, je vais essayer de faire gaffe à ce qui se passe. Donc là, c'est le premier environnement un petit peu de jungle luxuriante qu'on voit, mais c'est pas non plus magnifique. Enfin, c'est joli, certes. Pour 2007, je pense que c'était correct. Je dis pas que c'était extraordinaire, mais je pense que c'était correct. Moi, je l'ai connu des années après, quand j'ai eu la PS3, parce que je me suis acheté la PS3 plus tard. Donc là, il faut. Attendez, je veux quand même trouver où je vais, parce que je suis déjà paumé, c'est cool. Alors attendez. Ah, donc c'est par là. Par contre, là, Drake se met à marcher. Il y a des fois, tu peux plus courir. En fait, il se met à marcher tout seul. C'est scripté. Donc là, on va peut-être avoir un gunfight. Je sais pas. Je me rappelle plus du tout du chapitre 2. Je sais juste que c'est la jungle luxuriante. Je comprends pas. Donc, on va essayer d'avancer. Je vais L'impression, essayer on est pile au de bon faire en sorte endroit. que cette vidéo dure pas non T'as plus peut-être oublié énormément ce truc. longtemps. Même si C'est là, pour j'en suis ça. déjà à plus de 10 minutes. Non, c'est bien ici. Écoutez, moi, je vous donne mon avis On n'y maintenant. arrive ici maintenant. J'ai trouvé le jeu sympathique. Encore une C'est-à-dire que impasse. j'ai Qu'est-ce que c'est avancé que de ce truc? manière. Relax. Sans être trop frustré, c'était Attends, attends. plaisant entre guillemets, même s'il y a des moments où ça m'a un peu fait chier, notamment quand. Enfin, je vous montrerai après un certain chapitre hein, dans un souterrain, dans une espèce de cave, etc. C'est un peu le bordel. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Ouais, vous voyez les blagues, c'est un peu ras des pâquerettes. Autant chercher une pucelle dans une maison close, il y a un côté très léger en fait. C'est pas Voilà, forcément un ça c'est mal parce mieux. que si le jeu avait été sérieux du début à la fin, je pense que ça m'aurait fait chier honnêtement. Je pense que ça m'aurait emmerdé. Attendez, il y a peut-être des gunfights là, non? Qu'est-ce que Je pense c'est? que ça m'aurait emmerdé. Donc Non, c'est plus vieux que ça. tant mieux qu'il y ait ce Je côté un peu léger. dirais 2000 ans de Mais plus. c'est parfois un petit peu lourd. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'humour un peu ras des pâquerettes, comme vous venez de le voir maintenant avec Sullivan. Victor Sullivan. Donc là, je sais pas. Ouais, vous voyez, on peut s'accrocher. Il y a énormément d'endroits dans le jeu où on va s'accrocher. C'est un jeu qui est. C'est pas que un jeu d'aventure, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de plateformes. Attendez. Par exemple, si je vais là, il n'y a rien. Je vais essayer de m'accrocher là. Est-ce qu'il. Non, il veut pas s'accrocher. Vous voyez, c'est que à certains endroits que tu peux t'accrocher. Hein. Par exemple, si je me mets ici. Non, toujours pas, il faut faire le tour. C'est vraiment les endroits prévus. C'est aux endroits prévus que tu vas t'accrocher.
Alors que dans la vie de tous les jours, tu pourrais t'accrocher à n'importe quelle paroi, par exemple, là, si je saute, voilà. À mon avis, la suite, elle est par là. Je sais plus s'il y a un mécanisme à activer. Attendez, il me dit du nouveau. Alors, à mon avis, il faut faire le tour par ici. Ah, ça va tomber. Donc là, on s'accroche et on appuie sur X une fois. Donc là, L2, au bout d'un moment, ça te montre des trucs où tu dois regarder. Donc là, au sol, il va y avoir peut-être un trou, je crois, il va tomber dedans. Non, regarde. Comme ça, c'est fait exprès. Hein. Regarde, c'est pour te montrer ce qui se passe. Ouais, il va mettre son pied, je suis sûr il va tomber, je crois que c'est ça qui va se passer. C'est creux, bah oui, c'est creux. Ah, trouver un moyen de casser ça. Donc il faut, par exemple là, il y a une pierre, je vais sûrement la pousser. Et pour la pousser, il va falloir faire le tour. Vous voyez, les énigmes sont pas très compliquées. Hein. Vous me direz, c'est le début du jeu. Waouh. Donc là, je me dépêche. Donc là, c'est le début du jeu, donc c'est... Attendez, appuyez sur rond au-dessus d'un rebord pour descendre, voilà. Donc là, j'appuie sur rond comme ils me le disent pour descendre. Je m'oriente sur le côté. Ensuite, au bout d'un moment, regardez, Drake, il met sa main en avant, c'est-à-dire qu'on peut sauter tout en maintenant le stick à gauche, etc., etc. En fait, il y a beaucoup de grimpettes dans ce jeu, beaucoup de... Ça, c'est que le début, mais pendant tout le jeu, vous avez ça, vous avez, je dirais, allez, 70% du jeu, c'est de l'escalade. Bon, le reste, c'est des gunfights. Non, je dirais, allez, 60% d'aventure escalade, et le reste, c'est que des gunfights, en fait. Un peu moins de la moitié du jeu, je dirais que c'est des gunfights. Je vous en parlerai juste après. Donc là, si je pousse le rocher, il faut appuyer qu'une fois, mais parfois il faut appuyer plusieurs fois à répétition. Voilà. Donc là, à mon avis, on va descendre. Allez, si je descends, j'appuie là. Beau travail, petit. Donc là, à mon avis, c'est par ici qu'il va y avoir des gunfights. Donc là, on commence à rentrer dans les souterrains, même si après on va ressortir. Oula, vous avez vu, il y a des petits scripts, hein, chauve-souris, etc. C'est un jeu qui rappelle énormément. Tomb Raider, j'allais dire Tomb Raider, oui, c'est l'équivalent un peu masculin de Tomb Raider, le Nathan Drake, mais en moins charismatique, c'est-à-dire qu'il dégage pas grand-chose. Peut-être que dans les suivants c'est le cas, mais je les ai pas fait, mais j'ai fait que ce premier épisode. Les effets de lumière sont pas trop mal, par contre, ça, j'ai trouvé ça correct, franchement, c'est à certains endroits du jeu, c'est vraiment bien. Sans être époustouflant, je trouve ça correct. Encore mieux dans la trilogie qui a été fait en remake sur PS4, les effets de lumière sont encore mieux gérés. Donc voilà, c'est ce jeu, c'est à la découverte hein, des trésors et des cités mythiques de l'Eldorado. Notamment à la fin du jeu, le tout dernier chapitre, c'est un espèce de gros trésor de ouf, tout en or, un espèce de totem que convoite le boss final. Oui, c'est ça, le méchant final, même si c'est pas forcément celui qu'on croit, parce qu'il y a un plot twist à la fin, mon dieu. Sauf que franchement, tu t'y attends, déjà c'est téléphoné, le truc, tu t'y attends grave. Mais en plus, c'est franchement maltraité, c'est-à-dire que le scénario est très basique, il va jamais décoller. Si on pose la question, qu'est-ce que tu retiens d'Uncharted en termes d'histoire, bah franchement, pas grand-chose. Moi, je vous le dis, j'ai fini ce jeu, il était en un peu plus peut-être une vingtaine d'heures, parce que j'ai cherché les trésors et tout, donc j'ai mis plus de temps, mais celui qui le finit en ligne droite, franchement, c'est 7-8 heures. Celui qui rush, c'est 7-8 heures de jeu, franchement, en rushant. Moi, j'ai pas rushé, j'ai mis peut-être plus de 20 heures pour les trésors, etc. Donc, voilà, donc, il y a... Il part à la recherche de certains objets de valeur qui ont appartenu à son ancêtre, donc Francis Drake, l'ancêtre de Nathan Drake, donc le personnage principal qu'on contrôle, si vous n'avez pas compris. Et donc ces pérégrinations vont nous amener justement à découvrir les cités mythiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut péter ça? Ah oui, là on peut le péter, mais c'est pas le cas dans tous les endroits hein, où on peut péter les pots, etc. Là c'est cool parce qu'on peut. Moi j'aime bien les éléments destructibles dans les jeux, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça, si j'appuie dessus, si je le pète, voilà. Vous avez vu les énigmes, c'est vraiment, tu pètes un truc, tu fais descendre une plateforme, c'est franchement, jusqu'à la fin du jeu, ce sera pas plus compliqué que ça, moi je vous le dis. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, s'il n'y a pas de gunfight, je vais changer de chapitre, parce que là je crois qu'il faut monter, vous avez vu, là, voilà, je m'accroche. Ah, c'est vraiment, c'est tout le temps ça, c'est-à-dire que là, j'appuie plein de fois sur... Merde, j'ai lâché. J'appuie plein de fois sur triangle. Allez, vas-y, tu peux le refaire, s'il te plaît. Non, il veut pas le refaire. Oh, magnifique, un bug, vous avez vu? Suivant, il a couru dans le mur, il a bugué. Ah, bah c'est lui qui le fait. Comment ça se fait? Bizarre. Est-ce que c'était obligatoire que je me fail ou pas? Je sais plus. Ah oui, je peux peut-être la coincer de l'autre côté. Bon, écoutez, on va changer de chapitre. Attendez, je vais essayer de coincer ça. Comment trouver une solution? Ah, peut-être ça, voilà. Voilà, c'est franchement pas difficile. Donc là, faut rester appuyé pour tenir le truc. Il dit dépêche-toi Nate, mais à mon avis, même si je me dépêche pas, vu que c'est scripté, et bah ça va réussir. Donc là, il va passer avec moi. Est-ce qu'il y a un petit gunfight? Je ne sais pas. Ah, le truc, il va craquer. Voilà. C'est jamais surprenant ce jeu. En fait, au niveau du scénario, t'es jamais surpris.
Donc le chapitre suivant que j'ai envie de vous montrer, c'est la cité engloutie, le chapitre 8, c'est parti, on va le laisser en normal. Pourquoi je décide de vous le montrer? Tout simplement, alors qu'il y a la sauvegarde qui me fait chier, tout simplement parce que déjà c'est un environnement un peu différent de ce que je vous ai montré. Et aussi, vous allez voir les gunfights, donc avec les ennemis à combattre dans le jeu, qui sont des pirates, hein, tout simplement. Et une séquence en jet ski que je vais vous montrer, que j'ai pas trouvé géniale malheureusement. Même s'il y a pire, parce qu'en fait il y a deux séquences en jet ski dans ce jeu, ça c'est la première que je vais vous montrer. La deuxième intervient plus tard, je sais plus dans combien de chapitres exactement, mais je dirais au moins 3 ou 4. Je crois que c'est plus que ça. Et là c'est pire, parce qu'on remonte à contre-courant. Il y a des bidons explosifs et tout, enfin c'est super galère. En plus, les ennemis ont souvent un arsenal assez conséquent, voilà, souvent des espèces de bazookas, des lance-roquettes, ils sont vachement pétés, je trouve. Donc pour pas mourir, faut faire très attention. Je voulais vous parler un petit peu du compositeur, donc c'est Greg Edmondson qu'il s'appelle. Alors là, je vous laisse regarder la cinématique, mais je parle par-dessus. Donc c'est Greg Edmondson, le compositeur de musique. C'est un compositeur de musique de cinéma et de télévision. Il est principalement connu pour avoir composé la bande originale de la série télévisée Firefly, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si ça vous parle. Donc là, je vais vous montrer les gunfights. Donc là, on se fait tirer par derrière. Vous voyez, ils sont tout en haut. Donc là, j'appuie sur L1 pour viser. Est-ce qu'il va tomber? J'appuie sur L1 pour viser. C'est chaud de parler en même temps. Et R1 pour tirer. C'est le cas dans énormément de FPS. Hein. Donc là, on voit la tête qui dépasse. On va essayer de les avoir. Donc là, normalement, ils vont tomber. Normalement, il va y avoir... Ah, il n'y a pas d'animation, non. Parce que normalement, il y a une petite animation où ils tombent de la falaise. J'aurais bien aimé vous le montrer. Attendez, je recharge. Est-ce que tu peux tomber? Voilà, il est tombé. Donc là, écoutez. Ah non. Normalement, il y a Elena, parce que c'est, elle s'appelle Elena, la meuf qui nous suit, qui fait une petite remarque. Est-ce qu'il va tomber? Non. Bon, bah, elle a pas fait de remarque. Voilà. C'est aléatoire. Donc là, je vais vous montrer les gunfights. Donc là, vous voyez, au niveau des armes, j'ai que ça, parce que j'ai refait un chapitre... Je pense pas qu'on garde les armes précédentes, je pense qu'on les retrouve au fur et à mesure, c'est ça qui est dommage. Sinon, voilà, il y a des petits pistolets mitrailleurs, un petit Uzi. Attention, voilà, donc les gunfights, tu te caches derrière les piliers comme ça. Tu appuies sur carré, excusez-moi, sur rond pour te mettre à couvert. J'ai pas besoin de rester appuyé, hein. Regardez, là il est à couvert, je peux... Oula, attention, je vais manger une grenade. Donc là, tu te mets à couvert et tu peux... Voilà, tu peux faire des roulades pour te mettre à couvert d'un endroit à l'autre. Voilà, c'est un système de couverture à la Gears of War, pour ceux qui connaissent. Célèbre licence également, qui a connu 4 épisodes, je crois. Gears of War 4 qui est sorti, ouais, il y a quelques mois. Peut-être, ça fait même peut-être un an maintenant, je pense. Bref, tout ça pour dire que c'est un système à la Gears of War qui fonctionne bien. Ce système-là, il fonctionne assez bien. Même si j'ai eu quelques gars... Ouh, attention, c'est quoi ça? J'ai vu une grenade par terre. Il fonctionne assez bien, mais en fait, ce qui me dérange, c'est vraiment les vagues successives d'ennemis. Ça c'est vraiment chiant parce que pendant tout le jeu c'est ça, c'est tu te fais attaquer par des vagues d'ennemis. Non seulement il y a beaucoup d'ennemis autour de toi, mais en plus t'as l'impression qu'ils arrivent par vagues, comme je dis, c'est-à-dire que quand t'en as buté un certain nombre, il y en a d'autres qui reviennent qui n'étaient pas là au début, en fait. Et ça je trouve ça chiant, parce que si c'était pas autant présent, je dirais rien, mais là je vous en parle parce que c'est vraiment un truc qui m'a un peu fait chier. Donc là il y a des espèces de, voilà, de gros baraqués, soit parfois qu'ils ont un fusil à pompe, une kalachnikov, parfois des lance-roquettes, alors que là vous avez vu le bidon. Je l'avais même pas vu, vous avez vu le bidon, on tire dessus évidemment pour tuer les ennemis qui sont juste à côté. Donc quand tu te balades, regardez, tu peux sauter par-dessus les obstacles, hein, comme ça, hop, avec croix. Donc là je ramasse un magnum, je crois que c'est un magnum, donc c'est un truc qui tue en un coup. Enfin c'est un truc qui projette l'ennemi. Attendez, je vais ramasser une grenade, je vais essayer de vous montrer un peu ce que c'est la grenade. Est-ce que je peux avoir un ennemi? Ça serait bien. J'aurais bien aimé... Attendez, je vais ramasser... Je vais ramasser la calache, voilà. Du coup, regardez, j'ai la calache à droite. En fait, ça, c'est sur le stick, la croix directionnelle de la manette. Quand j'appuie, en bas, j'ai la grenade. Je choisis la grenade. À droite, j'ai la calache. Parce qu'en fait, on a le droit à une arme, une grosse arme, entre guillemets. C'est-à-dire soit un pistolet mitrailleur, soit une calache comme j'ai là, soit une M16, je crois qu'on dit. Soit un fusil à pompe ou un lance-roquette. Et à gauche, c'est les petits pistolets, donc Magnum, Desert Eagle, ce genre de conneries. Donc là, encore un petit... Petit élément de gameplay, voilà, c'est juste appuyer sur triangle plusieurs fois pour ouvrir la porte. Donc là je vais vous montrer un peu le magnum. Si je tombe sur des ennemis, je pense que je vais tomber sur des ennemis. Non, cinématique. Donc je vous parlais, oui, du compositeur musical. Ensuite, une de mes grosses déceptions de ce jeu, c'est que je m'attendais à un vrai jeu d'aventure, mais en fait c'est plus un TPS hollywoodien avec des scripts, en fait, où il y a vraiment beaucoup d'action, je dirais 70% d'action.
Le reste, c'est de la plateforme qui est assez scriptée, peu d'énigmes, mais en plus, ces énigmes portent assez mal leur nom, puisque c'est souvent facile, de ce que je vous ai montré déjà, mais même tout le reste. Il y en a qu'une qui m'a un peu fait chier, c'est avec des statues à tourner, parce qu'elle n'était pas du tout explicite. En fait, c'était dans une salle où tu devais tourner 4 statues inclinées dans la bonne direction. Et en fait, le dessin sur le carnet de Nathan Drake, parce qu'en fait, il y avait un carnet, et tu devais t'aider de ce carnet et de l'image pour résoudre l'énigme. Mais c'était pas du tout clair. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux. Enfin, pas. Je suis désolé, c'est pas. J'ai dû regarder une solution parce que ça m'a fait chier. Au début, j'essayais de faire un peu au pif. Au début, j'ai essayé de réfléchir correctement en mode ouais, donc là, celle-là, elle regarde vers le sud, il faut que la tourne vers le nord, etc. Mais au bout d'un moment, c'était relou. Voilà, tout simplement relou parce que ça n'avait pas de logique. Donc j'ai regardé une solution, ça m'a fait chier. Donc le peu d'énigmes qu'il y a, soit c'est très facile, soit c'est tiré par les cheveux. Il y en a qu'une qui était vraiment un peu sympa, c'est avec des symboles. En fait, tout autour du. Il y avait une salle en spirale, et tout autour du mur, il y avait des symboles, et il fallait incliner les symboles dans le bon sens. Ça, c'était explicite, parce que c'était bien visible sur le carnet. Mais tout le reste, voilà, franchement, trop simple. Les énigmes sont simples, on peut pas vraiment appeler ça des énigmes. Et je vous répète, ma grosse déception, c'est qu'il y a très peu d'exploration, à part aller à droite à gauche dans les chemins, parce que c'est des chemins. Hein. À part aller à droite à gauche dans les chemins, donc en largeur, pour trouver des petits trésors, des trucs qui brillent, et bien écoutez, il y a que dalle. Hein. Donc là, je vais prendre le jet ski. Donc là, oui, c'est pas mal les décors, regardez, il y a des espèces de débris, on est dans des espèces de ruines, et ça reste assez joli, parce qu'il y a un mélange de verdure et de ruines. Alors que là, vous voyez que Elena, je trouve qu'elle est assez correctement modélisée, donc là, elle a un pantalon, elle a son gun, regardez son arme qui est directement dans sa ceinture, donc c'est assez logique. Elle est assez bien modélisée, je trouve. Voilà, elle a sa caméra qui est accrochée là. Alors, petit spoil, elle va perdre sa caméra, au bout d'un moment, elle va tomber d'un pont et elle va la lâcher. C'est les petits éléments comme ça de mise en scène, on va dire, mais ça n'a pas vraiment d'importance sur le reste. Parce qu'à la base, elle est censée être journaliste. Je crois que dans la première partie, je vous ai dit reporter, mais c'est plutôt journaliste. Sinon, voilà, elle a des petites réflexions de temps en temps, etc., qu'on va faire des actions dans le jeu. Donc là, j'appuie sur triangle pour choper le jet. Le jet est correctement modélisé. Il n'est pas ouf, mais il n'est pas raté non plus. Hein. Il est correct, voilà. Je ne vais pas cracher dessus, c'est correct, mais c'est plutôt la séquence qui est chiante. Donc là, ils ont dit... Oh, non. Rond, c'est pour reculer. Donc pour accélérer, c'est je vais y arriver. Croix. Ou R2, je crois. Voilà, R2, c'est accélérer rapidement, donc assez vite. Et croix, c'est plus petit. Donc là, donc on utilise le lance-roquette, un espèce de lance. Ouais, c'est ça, mine. Enfin, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est un lance-roquette de Elena. Et on va tirer sur les trucs sur la surface de l'eau pour pas se les prendre, parce que si tu te les prends, et ben tu meurs direct. Hein, ton embarcation se retrouve un peu explosée, c'est-à-dire que tu tombes à l'eau et tu meurs, enfin bref, il y a un espèce d'effet de flou. Donc là, je vais essayer de foncer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah voilà, elle est en train de... Donc là, faut faire gaffe, donc c'est chiant, tu dois à chaque fois péter ça. Et bah, y a des ennemis qui t'attendent à des endroits bien relous. Et en plus, eux aussi, ils sont très bien armés, ils ont soit des trucs explosifs, soit... Attendez, je vais faire gaffe. Soit des trucs explosifs, soit des fusils à pompe, ce genre de choses. Donc là, je pourrais... Ouh là, je vais mourir. Allez, je vais essayer de passer au milieu. Tu peux passer au milieu, mais c'est plus difficile. C'est conseillé de s'arrêter un peu pour défoncer les trucs. Donc là, je vais essayer de passer à côté parce que je vais pas perdre tout mon temps. Donc là, je suis mort. Voilà, vous avez vu, je suis mort. De toute façon, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Parce que je compte changer de chapitre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire retourner au menu principal. Il faut que j'avance. Hein, je vais pas non plus tout ce temps-là. Donc c'est des armées de pirates hein, qui sont apparemment tous ligués contre nous. On sait pas trop pourquoi, c'est jamais expliqué. Ils sont juste dans le camp adverse pour rechercher un trésor. Mais bon, il se pose pas vraiment de questions, c'est-à-dire que c'est vraiment... faut pas chercher au niveau du scénario, c'est très basique. Hein. Donc sélection de chapitre, qu'est-ce que je vais faire avant de m'arrêter? Parce que j'en suis déjà à 9 minutes de la deuxième partie, ça va faire peut-être une demi-heure en tout, là. Sanctuaire, donc là c'est tout ce qui est en sous-sol. Donc là, en remontant la rivière, c'est le deuxième chapitre où il y a un jet, mais justement c'est à contre-courant, donc c'est abusé. Franchement c'est abusé, parce qu'au début je pensais que c'était mal fait. Je pensais que c'était pas prévu par le jeu au début que j'allais dans cette direction, c'est-à-dire à contre-courant. Je pensais que je cheatais un peu le jeu et que j'allais tomber sur des gros trésors, genre un truc de ouf. Mais en fait pas du tout, c'était prévu, fallait vraiment aller à contre-courant. Et en plus je suis con parce que j'avais même pas lu le titre du chapitre qui était en remontant la rivière. Donc au début j'allais à l'inverse, mais bon bref, vous avez compris. Donc sanctuaire sous terre, ça c'est vraiment des endroits sombres. La lumière est bien gérée malgré tout. Même si voilà, c'est moins joli forcément que la jungle luxuriante, ça fait moins rêver. À part ça, la salle du trésor, écoutez, peut-être que je vais vous le montrer un peu, donc je vais vous le montrer histoire de faire une vidéo un peu complète, parce que là vous n'aurez pas vu grand chose du jeu. Je vais vous montrer un peu globalement les environnements. Là je vous ai montré des trucs en ruine avec du jet, de la jungle luxuriante au début, là je vous montre un petit peu justement des sous-sols, enfin vraiment on est sous la terre, hein, c'est ça, on est vraiment sous terre.
C'est pas une grotte, c'est vraiment des grands espaces, parce que là c'est salle du. Un peu sur le chemin du trésor. Ensuite, les grenades, je vous l'ai pas dit, mais je les ai quasiment jamais utilisées parce que la portée est très moyenne, franchement, autant utiliser des flingues, parce que quand tu utilises des flingues et que tu touches les ennemis, bah tu leur fais momentanément arrêter leur action, alors que la grenade, je vous ai dit, elle atteint difficilement les ennemis, et en plus, elle a une explosion qui est pas très puissante, c'est-à-dire que ça tue vraiment si les ennemis sont regroupés. Sinon, ça va en tuer un, allez, deux au mieux. Sinon, faut être ultra précis. Bref, j'ai pas trouvé ça super utile. Donc là, Oh, on est chapitre obligé 16, la d'avancer. salle du trésor. Ouais. On est obligé d'avancer. Donc là, il y a des ossements. Regardez, je vais vous montrer un peu. Voilà, il y a des crânes, il y a des espèces d'ossements, de squelettes. Donc là, c'est scripté, hein, j'avance. Sachant que là, je peux pas viser. Là, je fais L1 pour viser. Vous avez vu les petits effets d'éclair. La torche est bien faite. Le feu, regardez. Je trouve ça bien fait. J'aurais bien aimé viser dessus, mais je peux pas. Parce que c'est scripté, en fait. Il y a beaucoup de script dans ce jeu. Je peux sauter, je peux rouler, mais. Attendez, donc là, on va voir. J'ai bien aimé cet endroit. Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu J'ai bien aimé trésor. cet endroit parce que déjà graphiquement j'ai trouvé ça joli. Enfin, la direction artistique, hein, parce que plus que la technique, parce que la technique on est en 2007, c'est pas non plus exceptionnel, mais la direction artistique j'ai bien aimé, les effets, les couleurs sont bien choisies dans ce jeu, je vous l'ai pas dit, Attends mais un peu. vraiment que ça soit la jungle luxuriante, là où il y a beaucoup de couleurs, ou même où il y en a moins, c'est-à-dire des couleurs beaucoup plus froides comme maintenant, c'est très bien choisi. Regardez la lampe torche, donc je trouve ça correctement fait, voilà, c'est assez bien fait, on va dire, c'est pas non plus dégueulasse. Donc là, les effets de lumière qui se reflètent sur Elena. Et c'est sympathique parce que cet endroit, c'est beaucoup de plateformes. Par exemple, là, en fait, il y a un truc de symbole. Il faut suivre, je crois que c'est les symboles de tête. Je crois que c'est 2, 5 et 7. Je crois que c'est ça. Vraiment, si c'est ça, j'ai une très bonne mémoire. Et donc là, il y a le symbole 1. C'est-à-dire que si j'y vais, je meurs. Donc là, je pense que je vais essayer pour vérifier si ma théorie est bonne ou pas. Donc là, je vais sauter. Hop, je saute. Ah non, vous avez vu? C'est fait exprès, en fait, le jeu fait en sorte qu'il faut pas suivre les symboles. Il faut mémoriser les bons et les mauvais symboles, c'est-à-dire les chiffres romains, en fait, hein. Parce que si tu suis les mauvais, tu meurs. Là, j'avais sauté assez bien pour m'accrocher, mais le jeu n'avait pas prévu qu'on puisse s'accrocher. Il n'y avait pas de bordure. Parce que, justement, il faut suivre cette espèce d'énigme. Quand je fais select, attendez. Est-ce qu'il va ouvrir son carnet? Parce que là, je vais me retaper la cinématique, je crois. Je crois que c'est ça. Est-ce que je vais me la retaper? Non. Attends. Attends un peu. Ouais, là, le symbole 5, c'est là où il faut. Ah, Select, voilà, je vous montre un peu une des énigmes du jeu. Il y a des Donc là, chiffres il y a romains des sur le chiffres fond de la romains, carte. donc 2, 5 et 7, Ils c'était sont bien ça, interrogés, j'avais je raison, pense. comme quoi j'ai une bonne mémoire. Donc si tu suis les autres chiffres romains, bah tu meurs généralement. Par exemple, là, le 2, c'est-à-dire que c'est là qu'il faut aller. Là, je vais essayer d'aller un peu par là. Je vais vous montrer encore un petit peu de scène de grimpette. Et après, on va s'arrêter là pour cette séquence. Donc là, je crois qu'il faut aller par ici, parce que j'ai bonne mémoire. On va monter à gauche là. Je vais vous montrer un mécanisme que j'active, je crois que c'est en haut. Hein. Donc là, je monte. Donc là, j'appuie sur X pour monter et la croix directionnelle vers le haut. Donc ça, c'est assez facile. J'avance ici, là, je vais actionner un moulin, je crois, en appuyant sur Ça doit bien triangle. servir à quelque chose. Voilà. Et je vais vous montrer très rapidement ce que c'est. Donc là, je dois appuyer plusieurs fois encore. C'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que c'est des touches sur lesquelles tu appuies rapidement. Donc là, il y a des trucs qui vont bouger en hauteur. Et je crois que c'est le niveau le plus haut, en fait, en termes de hauteur. Il y a vraiment. Il faut pas tomber parce que si tu tombes après tu meurs évidemment. Et justement il y a des endroits où tu tombes de pas Il se haut et passe tu quelque meurs. Je me chose. suis rendu compte dans le jeu, par exemple dans les ruines, je suis tombé de je sais pas genre 5 mètres peut-être et je suis mort tout simplement parce que le jeu n'avait pas prévu qu'il fallait que je fasse ça. Il voulait tout simplement me faire mourir. Et peut-être aussi parce que je pouvais pas remonter, le jeu n'avait pas prévu à ce que je puisse remonter à certains moments du jeu, je dis pas tout le temps attention, mais à certains moments. Donc le jeu a préféré, enfin les développeurs, hein, c'est pas le jeu en lui-même, les développeurs préféraient te faire mourir plutôt que ça fasse déconner les mécanismes en fait. Donc là je monte, je vais m'arrêter ici. Bon après ça, on retourne dans une séquence de gunfight. Donc là vous voyez il faut éviter des petits trucs comme ça, faut passer au bon moment sinon tu meurs. Donc là je vais essayer de monter ici voilà. Et c'est pas encore tout de suite mais après il y a des gunfights. Donc là il y avait un trésor qui était un peu relou à avoir, c'était là sur le Salut, tu me pont, reçois? sur le bout du pont. Alors que là regardez je marche, il y a un script, je peux plus Que dalle! courir. Parce que tout simplement, je reçois un signal radio de Sully. Donc là, le but, je crois que c'est de s'accrocher là. Oula, attention, faut pas se manger ça. Ah non, c'est même pas ça en fait. Parce que si je vais à gauche. Non, 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 je meurs. Oui, je suis mort. En fait, il fallait même pas aller. Vous avez vu là. Il se fait percuter, le bon vieux Nathan Drake. Donc par où c'est. Ah si, c'est. Non, je vais pas y aller. Mais en fait, il fallait s'accrocher directement à gauche. En fait, il fallait faire un bon saut et c'était assez précis. C'est assez millimétré. Hein. Donc là, je me rebarre. Et je vais vous montrer peut-être une dernière séquence avant de m'arrêter là.
Donc voilà, donc ce jeu-là, c'est vraiment beaucoup de gunfights, c'est ça qui m'a fait chier, c'est il y a peu d'exploration, c'est assez redondant au niveau des gunfights, c'est toujours la même chose. Tu te fais attaquer par des vagues, hein, enfin des vagues, non, déjà il y a pas mal d'ennemis à certains moments, et en plus quand tu les tues, il y en a d'autres qui viennent. Ce qui me chagrine un peu, c'est que ce jeu est devenu un peu un... Tomb Raider, excusez-moi, est devenu un peu Uncharted-like, justement. C'est-à-dire un truc vraiment assez hollywoodien. Alors attendez, sélection de chapitres. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, je vais pas vous montrer le boss final parce que je trouve que c'est une aberration, je trouvais ça abusé, je suis mort plus de 20 fois dans la dernière séquence de ce boss final. Je trouve ça pas intéressant, relou, je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Donc j'espère que par la suite, dans les prochaines sorties, ils vont arrêter ce genre de truc, à base de QTE pourri, à base de vagues d'ennemis qui te bourrinent. Enfin, c'est nul, franchement c'est nul. J'ai pas aimé, vous me direz ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont fait. Donc là, de l'or et des os, c'est la confrontation pas finale, mais juste avant, parce que le méchant n'est pas celui qu'on croit. Attention, retournement de situation, c'est totalement cliché. C'est le bras droit qui se rebelle contre le boss et qui décide de... Enfin bref, je m'arrête là, mais c'est vraiment très cliché. Donc là, je m'arrête là sur ce des invités gênants. C'est le chapitre que j'ai pas trop aimé. En fait, je crois que c'est le chapitre que j'ai le moins aimé du jeu. Parce que non seulement c'est pas joli, c'est très sombre, etc. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Et en plus, les couleurs sont très ternes, mais en plus, je trouve ça pas forcément bien choisi. Bref, je me suis emmerdé. Et en plus... Il y a un côté fantastique, c'est-à-dire que les développeurs ont décidé d'intégrer, enfin l'équipe, hein, de développement, hein, ont décidé d'intégrer des espèces d'infectés en fait. Et j'ai pas compris du tout, parce que jusque-là, le jeu était assez réaliste, hein, en termes d'histoire, avec des personnages, des humains, etc. Et là, vers la fin du jeu, ils te mettent des infectés, des sortes de zombies. Je me suis dit, mais what the fuck? Est-ce qu'on est dans Left 4 Dead ou quoi? C'est quoi ce souci? Alors je sais bien qu'avec The Last of Us, ils ont décidé de faire des claqueurs ou des trucs comme ça, mais bon, c'est pas le même jeu. Mais là, ils ont décidé de faire ça et j'étais un peu... Il y en a qui trouvent que c'est bien parce que ça change un peu la routine du jeu, c'est un parti audacieux de faire ça, mais moi, je suis désolé, j'ai trouvé ça en décalage total avec le reste. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Donc là, on va se faire attaquer par plein d'ennemis. Donc là, vous voyez, c'est... Attendez, je vais essayer de prendre une calache. Enfin, un pistolet mitrailleur. Donc là, je sais plus où faut aller. Hein. Donc là, Ah oui, les munitions, tu dois les ramasser, c'est assez bizarre. C'est que... Attendez, je sais pas où faut aller là. Non, vous avez vu, je cours et je me fais quand même avoir. Donc là, je sais plus où faut aller. Donc là, je cours. Ah, bah je me suis fait tuer. Voilà, vous avez vu, tu te fais one shot. Hein. Donc en plus que tu peux pas courir, c'est-à-dire que t'as juste à bouger le stick. Attendez, je vais essayer de ramasser des trucs. T'as juste à bouger le stick. Attendez, je vais essayer de rouler. Non. Ah, bah vous avez vu. En fait, t'es obligé de les buter. Enfin. Oui et non, j'ai envie de te dire, parce que y a des moments où j'ai réussi à les esquiver. Donc là, je vais essayer de les esquiver, de passer sur le côté. Si tu pouvais me laisser passer, ça serait bien. Non, non. Allez, laisse-moi passer, s'il te plaît. Non. Il veut même pas me laisser passer. Donc là, je vais essayer de les buter. Parce que ça commence à bien faire. Pourtant, je suis pas dans le jeu sans capturer. Je suis pas mort autant de fois. Hein. C'est-à-dire que là. Donc là, je vais essayer d'en buter quelques-uns. Parce que j'ai l'impression que si t'en butes pas quelques-uns, le jeu veut pas te faire avancer. Hein. Donc là, voilà, il te fait une espèce de prise. T'essayes de passer à côté comme ça en mode random. Et voilà, maintenant que j'en ai tué un ou plusieurs, je peux passer. Donc là, je vais essayer de. Ouh là là. Allez, si je peux passer à côté. Non. Voilà. Et une fois que j'arrive en haut, là, hop, je suis tranquille. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas monter ici. Et là, j'en ai buté plein comme ça. Sauf que là, ils s'enfuient. Donc à chaque fois, il faut tirer pour pas qu'ils s'enfuient. Sinon, ils se barrent. Et ce que je faisais avant qu'ils s'enfuient, c'était à chaque fois, regardez, je me mettais là. J'attendais qu'ils reviennent. Donc là, voilà, là, ils vont revenir. Et quand je suis débordé, je remonte sur la plateforme. Donc là, j'attends. Normalement, on va faire une montagne en les butant tous. Ça n'a pas de sens, mais bon, regardez ce qui se passe. Normalement, si je dis pas de conneries. Attendez, il faut pas que je me fasse avoir parce que des fois il y a des angles morts et ils me surprennent. Par exemple, si j'avance un peu. Attention. Ah, ils viennent plus, comment ça se fait? Donc là, si je viens là, normalement, ils vont sortir du trou. C'est pas ça? Ah. Ah non, bah c'est dans la séquence d'après, alors où justement ils arrivent en masse et tu fais une montagne. Donc là, justement, t'actives un interrupteur, etc. C'est une séquence où t'as plein d'interrupteurs à activer pour t'enfuir. J'ai pas du tout aimé cette séquence. Donc écoutez, on va se barrer d'ici, on va se quitter sur je sais pas quel chapitre. Donc ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui Tomb Raider, voilà, ça s'est casualisé, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, c'était vraiment de l'action, plateforme, exploration, tu explorais. Là, c'est devenu un Uncharted-like, c'est-à-dire plus linéaire, même si je sais pas si l'Uncharted suivant sont linéaires. Donc on va s'arrêter sur un chapitre que j'ai apprécié correctement. Il y en a pas non plus énormément que j'ai apprécié correctement, je vous le cache pas. Hein. Donc on va se prendre un truc un peu plus calme. Peut-être dans les débuts, peut-être aller une séquence, je crois que c'est une séquence en voiture là.
Donc voilà, je vous ai parlé beaucoup des défauts du jeu, mais après un certain temps, je me suis quand même, j'ai accepté le gameplay pour ce qu'il était, les mécaniques et les cutscenes, et j'ai finalement accepté tout ça, c'est-à-dire les défauts du jeu. Je me suis dit bon bah faut pas que j'en attende plus, c'est un simple divertissement, un jeu popcorn, certes avec une histoire déjà vue 1000 fois, mais qui fonctionne malgré tout. Les dialogues fonctionnent, même s'ils sont clichés, ça reste bien écrit et bien doublé. On a la chance d'avoir une bonne VF. Et malgré tout, voilà, je me suis habitué aux défauts du jeu et j'ai joué au jeu pour ce qu'il était. C'est du divertissement sans plus, qui le fait bien. Franchement, il le fait bien. J'ai apprécié ce jeu malgré tout ce que j'ai pu vous dire. J'ai aimé le parcourir, malgré le fait qu'au final, je lui trouve rien d'exceptionnel, loin de là. C'est ça le paradoxe, c'est que on peut dire que je me suis amusé globalement, même s'il y a des moments qui m'ont frustré, notamment la fin, le boss final, etc. et d'autres moments. Mais j'ai trouvé ça sympathique, voilà. Donc loin du chef-d'œuvre. Mais une belle plastique, des couleurs très bien choisies, je dirais, malgré quelques textures parfois douteuses. Certains décors sont vraiment classe, je me suis surpris à m'arrêter, à regarder plusieurs fois le décor autour de moi, à faire tourner le stick. La lumière dans les environnements un peu sombres sont vraiment bien gérées. L'IA s'en sort correctement, malgré les vagues d'ennemis qui sont redondantes et chiantes. Ils s'y mettent souvent, ils sont souvent mobiles, et ils savent se coordonner pour nous faire des dégâts, ça je peux vous l'assurer. Donc c'est pas non plus facile à ce niveau-là, c'est pas un jeu qui est facile. Et voilà, donc les nouveaux ennemis, donc les zombies que vous avez vus là, qui interviennent vers la fin, le dernier quart du jeu, je trouve que bah, ça change, mais moi j'ai trouvé ça un peu dommage, voilà. Donc là, on va se quitter là-dessus. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié mon test, que vous l'avez trouvé assez complet, vous savez de quoi il en retourne maintenant. Moi j'ai hâte de me faire les suivants, parce que apparemment le Uncharted 2 corrige beaucoup de défauts du premier, donc j'ai vraiment hâte de me le faire, je pense que ça peut être vraiment une bonne surprise pour moi. Et sur ce, je vous laisse ici, je vous dis portez-vous bien, à une prochaine vidéo, et salut tout le monde. Congratulations, the test is now over. Oh mon Dieu, non!